C'est une réouverture très attendue. La Vestiboutique d'Épernay accueille de nouveau du public depuis hier. L'établissement solidaire est géré par la Croix-Rouge et lui permet de financer ses actions. Après 3 mois de fermeture, clients et bénévoles étaient heureux de se retrouver. Bintou Sidibé, Louis Duménil. Bonjour messieurs, dames. Bonjour. Donc vous pouvez rentrer si vous voulez. Merci. C'est ouvert. Pardon. Nous accueillons deux personnes en même temps. Oui. Port du masque et lavage des mains obligatoires. Les règles d'accueil à la Vestiboutique d'Épernay ont quelque peu changé. Vous passez par ici. Avec la crise sanitaire, un sens de circulation a été mis en place et les cabines des CH condamnées. Là, vous allez du 36 au 44. Donc. Fermée depuis le 14 mars, cette boutique solidaire tenue par la Croix-Rouge a rouvert ses portes hier à 14h. Le couple originaire de Perpignan est le premier client. J'aime bien regarder parce qu'il peut y avoir des choses de marque, des coups de cœur. Je m'habille que dans des endroits comme ça. Toutes les associations ont besoin d'une aide. Alors donc, nous sommes venus pour les aider en même temps en achetant quelques vêtements. Chaque vente permet en effet à l'association de financer ses actions. Autre petit changement pour ses habitués, venir avec son propre sac et attendre son tour. C'est gênant ou pas? Un petit peu, mais bon. De toute façon, on attend partout maintenant. Vous allez au médecin, vous attendez. Un avantage tout de même, Marie-Christine et sa tante ont la boutique pour elles et peuvent faire leur shopping en toute sécurité. C'est une priorité de recommencer. Je pense qu'il faut qu'on s'habitue à vivre avec ce virus et reprendre une vie normale avec les gestes barrières évidemment. Lors du passage en caisse, les clients doivent continuer à respecter la distanciation physique. La sortie se fait par le garage à l'arrière de la boutique, juste après un dernier geste sanitaire. Voilà. Voilà.